Et bonjour à tous et bonjour à toutes, et nous revoici pour du Valkyria Chronicles 2. Donc on va passer un petit coup à l'entraînement. Donc l'entraînement, qui c'est que je vais améliorer? Eux sont déjà niveau 5. Et comme j'utilise eux, on va aussi les monter en niveau 5. Même niveau 6, pourquoi pas. Parce que eux, ils m'ont l'air d'être quand même sacrément intéressants. Voilà, level up. L'avantage... Ouais, on a compris. Donc là, ce qui est pas mal quand même, c'est que cette fois-ci, on n'a pas besoin d'attendre de passer tous les niveaux un après les autres. Comme vous avez vu, je peux passer plusieurs niveaux d'un coup, et ça, c'est génial. Donc là, c'est bon. Et donc là, encore dans les changements de classe, comme vous voyez. Voilà, et maintenant, pour passer de classe, comment on fait encore? Ah voilà, info. Ouais. Donc comme vous voyez, scout... Mais sincèrement, je vois pas... Ok, scout vétéran, on voit l'augmentation, mais après là, sniper... Je me demande si c'est vraiment utile d'avoir un sniper dans ce jeu avec des cartes aussi ridiculement petites. Bon. Oui, oui, j'ai envie de quitter le terrain d'entraînement. Donc, recherche et développement, est-ce que j'ai des nouvelles recherches à faire? Yo. Ah, il y a quelque chose que je voulais faire. Ah, les parties optionnelles du véhicule. Ok, oui, ben ça, c'est ce qu'on avait vu. Ah! Ah oui, on peut même réparer des ponts sur le champ de bataille. Ouais, mais ça a l'air classe! Ah! Ça a l'air sympa comme truc. Ah, on peut même réparer les véhicules. Ça, c'est sympa. Donc, develop weapon. Moi, par contre, je suis dans... Bon, là, j'ai l'impression d'avoir déjà tout développé. Eux, comme je les utilise pas, on s'en fout. Ah oui, c'était eux, je voulais... leur marteau. C'est vrai que ça pourrait être pas mal de développer le nouveau Warpick. Alors, étant donné que là, je commence à les... qu'est-ce qu'il me faut pour les développer, ceux-là? Ok, il me faut des plans. Ok. Bon, ben, ils viendront en temps voulu, hein, les plans. Hein. Voilà. Donc ici, ben, j'ai tout développé, ce que j'avais à développer pour eux. Ah, c'est comme là, vous voyez... Pistole, mais ça me sert à rien. Eux, à tank lance, on s'en fout parce qu'on va jamais les utiliser. Et all, ok. Donc, on s'en fout. Non. Véhicule, les modes de véhicule. Ah bah non, ça, j'ai rien. Bah, c'est où pour le tank? Ah, c'était là. Tank body. Donc, il manque les mortars, ouais. Ça, c'est des trucs... Ah oui, les markings. Ah oui, c'est les camos qui me permettent d'avoir plus de... Alors... Ah oui, celui-là, il était pas mal. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je vais pas dépenser des sous dans des trucs qui me servent à rien. Donc, ça, c'est bien. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Ah, c'est beau, quand même. Franchement, la représentation 3D, j'aime beaucoup, quoi. C'est quand même bien détaillé pour un jeu PSP. C'est quand même vraiment sympa, je trouve. Alors, briefing room. Donc, maintenant, bah, il ne nous reste plus que les trois missions principales. Par contre, ils disent « One more to go for February ». Donc, ça veut dire qu'il me reste... En fait, j'ai qu'une seule affaire sur les trois. Ça me semble un peu bizarre. Donc, je vais quand même sauvegarder avant. Non, je vais quand même faire une petite sauvegarde avant parce que... j'ai pas envie de... Non. Pas title screen. J'ai pas trop envie... J'ai vraiment envie de faire toutes les missions de février, quoi. J'espère qu'on pourra choisir. Mais bon, je pense que oui, hein, vu que je peux refaire encore celle de janvier, je pense que c'est, ça sera faisable. Donc, on va faire la Midnight Suppression. Ça m'a l'air d'être assez sympa.
Hein, de toute façon, j'avais déjà fait un combat d'exercice de nuit. Donc, on va réessayer un combat de nuit. De toute façon, moi, je voyais. Mais pas les ennemis. Pardon. Alors, là, il nous faut capturer la base dans la carte B. Level 4, quand même. Ah ouais. Ah, ils ont Cindy. Ah, ça sent mal barré. Oups. Et demi, Cindy. C'est dommage, j'ai pas d'infos sur Cindy. Donc, on va placer nos squads. Donc déjà, bah, le Panzer à sa place. Avan comme d'hab. Ok, donc... Ouais, à ce que je vois, ça va pas être trop dur encore une fois, quoi. Donc, on va mettre Avan, à la limite Lot, encore une fois. On se déploie. Mais c'est vrai que les cartes se ressemblent toutes, quoi. On voit encore une fois que c'est un jeu PSP, quoi. We got this. Let's go. Nous l'avons, allons-y. Donc. Alors, comme d'hab, normalement, eux, dans la nuit, ils ne nous voient pas. Ou enfin, ils ont du mal à nous voir. Parce que, justement, on est des badass. Et qu'on voit dans la nuit, nous. Ah ouais. Ah ouais, celui-là, je pouvais pas le louper, quoi. Si je le loupais, ben... Voilà. Comme... Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la carte numéro 2, vu que je peux y aller. Et on va faire venir, ben, comme d'hab, hein, notre petit Maurice. Alors... Ouais, bon. Pas de quoi crier au génie. Ah ouais, non, mais deux coups à chaque fois, mais c'est là. Voilà. Voilà. Voilà, et je pense qu'en un tour, on va le faire, quoi. Bon, bah, ça sera pas en tour, ça sera en deux. Mais bon, comme vous voyez, c'est... Ah bah non, un tour, c'était fini. Voilà. Mission la plus courte qu'on ait vue. En un tour, c'était fait. Yes, we took their base camp. Wouah, et l'XP que ça rapporte. Wouah, monstrueux. Ah ouais, je veux dire, là, ça a été... Et on a gagné pas mal d'items, hein. Ouais. Bon, bah voilà. C'est fait. Non, mais c'est trop simple, ces missions. Franchement, quand je compare les missions du 2 aux missions du 1, mais ça a rien à voir, quoi. To begin, here is today's news. Là, new mission, nous avons reçu une nouvelle mission. Ah, et du blabla. Je veux voir d'abord la mission qui nous a été assignée. Avan, how can I help you today? Ah oui, ok. Donc en fait, il fallait que je fasse les missions clés pour pouvoir débloquer
cette mission-là. Ok. Donc, je peux quand même faire les autres missions. Bah, c'est ce que je vais faire parce que encore une fois, je vais toutes les faire parce que ben, il faut faire de l'XP hein, dans ce jeu. Et donc, ben, là, quand même, il y en a pas mal. Donc, on va faire ben, les unités alliées atteignent la cible. Oh, ça m'a l'air sympa. Ça change un peu de la prise de camp. Alors là, ok, il faut que j'atteigne la partie. On a 5 tours pour atteindre la zone 3. Ok, bon, bah, on va voir ce que ça donne. Alors, viens voir la carte numéro 3. Ok, donc on arrive là et il faut que je prenne la base pour ensuite me diriger vers le point qui brille en jaune. Bon, bah, on va passer. Alors, par contre, je sais pas combien il y aura de gars ici. Donc, on va mettre Havane et on va mettre Lot. Quoique, est-ce que j'en ai besoin vraiment de deux? Ouais, enfin quand même, il m'en faut quand même un en protection, quoi. Donc on va voir la mission. De toute façon, si je plante, hein, je recommence, hein. Alors. Time to show them what class G can really do. Hey, il est temps de montrer ce que la classe G peut vraiment faire. Donc, on y va avec Havan. Ok, donc il y avait un Golemon ici. On continue, il y en a un autre là. Hop. Voilà, donc toi, de toute façon, c'est la grenade en pleine figure. Voilà. Voilà. Ah, il y a du monde ici. Ah oui. Donc, bon, on va faire venir Havane. Non, parce qu'il est trop loin. Allez, on va essayer Helmut. Je me demande si c'est tous ou juste un qui doit y aller. Underway. Non! Ah, yesh, putain. Ouais, j'ai peut-être essayé d'y aller un peu fort aussi. À la limite, je pourrais prendre le tank. Mais le tank, ça prend deux places, quoi. Bon, à la limite, j'aurais mieux fait de venir avec eux. Parce que eux, au moins, ils sont super résistants. Résistants, mais ils vont pas loin. Mais bon, j'avais 5 tours, donc limite. Ouais. Here I go. Non, mais même ça marche pas. Voilà. Ok. Medic, it's this way. Quickly. Ok. Bon, de toute façon, hein, j'avais 5 tours et à mon avis, bah, j'ai perdu le A parce que le A c'était en 1 tour. Ce qui est pas étonnant.
Ah oh, bah tu peux toujours essayer, hein. Là t'es mort, toi. Ouais, ils sont tous en train de se ramener près de moi, quoi. Alors. Allez. Bah non, c'était juste un gars. Ok. C'était con. Oui, effectivement, je vais avoir un B pour une mission si simple. Ok, we made it in one piece. Okay, nous l'avons fait en une pièce, en un seul morceau. Et là, je vais avoir un B, je pense. Ah non, un A. Bon. Deux tours, c'est quand même un A. Bon, comme quoi, c'était vraiment pas la mission la plus dure. Ah bah, de toute façon, c'était marqué mission niveau... Ouais, il fallait un niveau 3, je crois, et mes gars, ils sont déjà assez bien ouais, au level, donc ça ira. Ah mince, j'ai gagné quelque chose, j'ai pas eu le temps de voir. Désolé. Et donc, bah, on va continuer encore avec la dernière mission qui me reste, avant la mission principale. Et à ce qui paraît, les missions principales, ce sont vraiment des trucs horribles, quoi, comparé aux autres missions. Defeat Enemy Commander. Ok. Donc là, c'est une mission d'extermination. Alors. Ok, ils sont dans, en plus dans le 1. Oh, c'est génial. Et c'est qui? C'est Shunter. Ok. Level 5. Ah, quand même. Wow. Donc. On commence en... Voilà, on commence en Aera. Et il faut que je prenne en dessous du pont. Ok. Et je crois qu'il fallait un tank pour déployer quelque chose ici. Donc on verra bien. Et on va mettre l'autre. Voilà. On verra bien. Je déploie toujours que 3 personnes, moi. Je suis un peu cinglé. On va bien. On va bien voir ce que ça donne. Ok, montre-leur ce qu'on a. Ah oui, voilà. Donc là, c'est bien ce qu'il disait à propos de réparer les ponts et tout ça. Par contre, est-ce que j'ai au moins la ladder pour... pour le faire, c'est bien la question que je me pose. Non, j'ai pas envie de faire un... Bon, on va essayer. Hein? Non, c'est... Ah, c'est peut-être pas avec le temps. Ah, j'ai peut-être pas débloqué la... La... Ah, j'ai pas débloqué la... Ok, bon, bah tant pis. Wouah, non mais... Alors, l'adversaire a le droit de me tirer dessus sans que je puisse faire quoi que ce soit, mais moi, j'ai pas le droit. C'est dégueulasse. Ok, bon bah si c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix, il va falloir que je traverse tout ça à pied. Oh. Bon, eux ils tirent pas, donc c'est bien. Oh la vache, ça tire là. Ça va tirer. Bah j'aurais pu tirer par contre, c'est vrai, mais... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était pas la bonne idée. Là, j'ai complètement merdé. Donc, est-ce qu'on peut arrêter ici? Parce que, à la limite, c'est complètement... Voilà. Ça sert à rien, la mission était perdue. Oui, oui, on a compris. Mission failed.
De toute façon, ça change que dalle, comme vous voyez. Mais bon, là, je savais que de toute façon, je ne gagnerais pas. Donc, je vais voir pour le ladder, là. Pour avoir reconstruire le pont, parce que là, j'ai bien envie de le faire, quoi. Mode véhicule. Ah, voilà, c'était pas dans les backpacks ou un truc comme ça, non. Allez, je vais mettre ma belle Alicia. Voilà. Un Galien Marque, on s'en fout. Armor, on n'a rien. Shoulder, limp. Turette, ben la turette standard ou la Gatling. Ah, ok. Ah oui, celui-là, il peut transporter 2 et il ne coûte que 1 point en CP. Ah oui, c'est vrai. Et il peut se déplacer plus loin. Bon, on va mettre ça. Voilà. De toute façon, ça ne me sert à rien, le Big Tank. Je préfère le petit véhicule, là, qui est beaucoup plus sympa. Voilà. Contre. C'était. Alors. Shoulder part. Ranger finder. Ouais, bon, j'ai pas les pièces pour développer ça. Sticker, je m'en fous. Marking. Oui, ça, on s'en fout. Le backpack part. Ouais. Non. Alors, c'est où le truc? Ça doit être là, mais j'ai pas les plans, quoi. C'est ça qui est chiant. Ok, donc ça, c'est pour une nouvelle tourelle. Là aussi. Voilà, j'en ai déjà une. APC body. Tank body. Voilà, je peux rien développer. Alors, est-ce que ça serait... les ingénieurs qui feraient ça, qui répareraient les... Enfin, ça, c'est un peu chiant parce qu'on doit un petit peu savoir ce qu'il y a. Alors, voyons voir. Non, ça a pas l'air. Ça, c'est juste pour réparer. Mais... ça veut pas dire grand chose, quoi. Ah, dommage. Mais je pense pas que ça soit déjà directement disponible, sinon ça serait trop du cheat en fait. Donc bon, bah c'est dommage. Bon, à la limite, hein. On va prendre le véhicule de transport de troupes et on trace. Ça va être un truc sympa. Alors, Panzer. Avan. Et on va mettre un gars en défense qui sera... Zeri, tu fous que dalle. Voilà. Étant donné que là, je peux avoir le petit truc qui se déplace bien, le petit véhicule de transport. Donc autant l'utiliser. Ok, on y va. Ah. Ah, il est pas assez près. Ah, bon, tant pis.
Voilà. Oh, il y a une petite différence. Allez, dégage. Dégage. Allez, hop. Alors, toi, combien il te faut? 10 coups pour mourir. T'es bien planqué. Ouais, mais t'es un scout. Ouais. Voilà. Là, t'étais un ace. Oh, je peux même tirer une deuxième fois maintenant. Oh, ça c'était sympa de pouvoir tirer une deuxième fois. Bon, ben il ne me reste plus qu'à prendre la vanne et à tracer. Hein. Allez hop, on est parti. Alors, avec 4, mais bon, je risque de louper. Ok, il loupe. Bon. Mais, ah, il y a eu le temps de me tirer dessus, hein. Voilà. Donc là, bah, je vais reprendre encore le petit véhicule blindé. De toute façon, ça change que dalle. On y va. Bam. Voilà. Tu vas mourir. Voilà. Ah, c'est dommage, on peut pas prendre le truc. Bon. Tant pis. Bon, de toute façon, elle va conserver le camp ici. Et Avan va capturer l'autre. Ah! Bon. C'est loupé. Bon. Voilà. Pas le choix. Alors, où est l'ennemi? Ah, c'est celui qui a un bill spécial. Ça m'a l'air d'être en plus une unité. Alors, je sais pas si c'est un tank ou quoi que ce soit. Allez, Zeri, mais. What the fuck? Alors, maintenant qu'on a obtenu là, donc on a ici un shock trooper, un scout et le lanceur commander. Ah, c'est un lanceur. Bon, bah, ça devrait être facile. Donc, on va faire venir Maurice. Comme d'hab, Maurice. Je me demande s'ils peuvent... Ouais, on peut crawl avec lui. De toute façon, la cible est droit devant. Voilà, allez. Ah, ok, il y avait même quelqu'un ici. Alors, combien de coups il me faut pour le tuer? 3! Ouais, non, on va continuer. De toute façon, il peut pas me toucher. C'est juste les autres qui me voient. Ah non, trop loin. Tant pis. Bon, de toute façon, c'est pas comme si j'allais le louper. Voilà.
Non, ça l'a pas tué. Ça lui a rien fait. C'est quoi ce délire? Je veux dire, vache, la résistance de malade qu'il a. Bon. Eh ben, il est résistant, le monstre, hein. H. Bon, ça va. J'aurai quand même en deux tours. Mais what? C'est un monstre, le mec. Wow. Truc de malade. Ok, nous avons eu la cible. Vache, 8000 points, ça c'est classe. Et on a eu spec unité bonus. Ah, sympa. Et donc, bah, c'est ici, il n'y a rien, et shocking, fearsome. Ok, et c'est donc ici que je vais vous laisser, hein. Ben oui, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo, et je vous dis donc bah, à la prochaine fois pour la fin du mois de février sur Valkyria Chronicles 2. Allez, ciao tout le monde.